juste pour vous détendre, comme une hypnose douce qui a pour but essentiel de vous déstresser, mais aussi de vous donner la possibilité de voyager juste avec votre esprit. Pour cela, munissez-vous d'un casque, mettez-vous dans une position de repos, assis ou allongé, dans une pièce peu éclairée ou dans la pénombre. Il suffit d'écouter ma voix et de vous laisser aller vers le voyage. Vous pourrez raconter par la suite votre expérience en dessous de la vidéo en commentaire. C'est parti. Installe-toi confortablement en position assise ou allongée. Les jambes et les bras doivent être détendus. Tu respires calmement. Tu as les yeux ouverts et tu contemples le mur ou le plafond. Ta respiration est faite par ton ventre et ta poitrine. Tu soulèves ta poitrine et ton ventre en même temps que tu prends ta respiration. Après une dizaine d'inspirations, expiration de manière calme, inspiration, expiration, inspiration. Expiration. Tu vas l'accélérer légèrement pendant une dizaine d'inspirations. Expiration. Un peu plus rapidement. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Maintenant, tu accélères encore un peu plus, en prenant toujours une respiration profonde et rapide. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, expiration. Pour finir l'oxygénation, il faut que tu respires de manière très rapide, en ne prenant que peu d'air, et en relâchant complètement toute cette air. Inspiration, expiration, inspiration. Expiration, un peu à la manière de la respiration du chien, très rapidement, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, expiration, expiration. Tu peux maintenant reprendre une inspiration et une expiration normale. Normale et calme. Tu fermes les yeux et tu te détends. Remarque que ton corps est en train de reprendre son souffle. Ton corps reprend possession de son calme. Doucement, il goûte à cette sensation agréable d'avoir eu un bol d'oxygène. Ressens le surplus d'oxygène qui se répartit dans tes jambes
jusqu'aux pieds, dans ton ventre, ta poitrine, ton dos, et circule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Ressens l'oxygène. Elle passe dans ta nuque, ta gorge, pour monter jusqu'au menton, tes joues, ton nez, tes yeux, ton front, et jusque dans ton crâne. Tu peux remarquer que les yeux fermés, tu as quand même une vision, des couleurs qui se montrent sous tes paupières. Laisse aller les formes, les lumières voyager. Ne cherche pas à leur donner un sens de marche, un sens de rotation, mais plutôt, regarde-les comme si tu étais un spectateur d'un spectacle de lumière. Pendant que tu regardes ces lumières de couleur, ton corps diffuse de la chaleur dans tout ton corps. Ta respiration est maintenant revenue à la normale. Maintenant, tu vas te focaliser sur une partie de ton corps. Tu vas commencer par ressentir ton gros orteil du pied gauche. Les autres orteils ont leur importance, mais pendant quelques secondes, tu ne penses qu'à lui. Le gros orteil du pied gauche. Tu peux même le visualiser. Tu pourrais même le dessiner. Tu vois la forme de l'ongle. Tu vois comment il est fait dans tous ses détails. Tu peux même arriver à sentir la structure de la peau. Tu peux même voir ce qui se passe sous la peau. Tu peux décider de t'approcher d'un millimètre de plus pour atteindre la chair. Tu peux voir la chair rosée, le battement du sang qui circule dans ton orteil. Tu vas un peu plus loin que la chair et tu entres dans l'os de ton orteil. Regarde comment l'os est fait. Regarde ses détails. Maintenant, oublions l'orteil et passons à ton pouce de la main droite. Vois les veines apparentes. Vois ton ongle. Vois son empreinte digitale. Ta vision te donne possibilité de tourner autour de ton doigt. Comme si tu étais un papillon qui volerait autour de ton doigt. Tu as un champ de vision idéal et tu peux zoomer à tel point que tu peux entrer dans la structure même de ton pouce. Tu peux voir les pores de ta peau, comme si tu regardais avec une loupe. Puis, tu peux regarder d'encore plus près. Et c'est comme si tu regardais avec un microscope. Tout est proche. Et tu sais que tu peux aller plus loin. En entrant dans un pore de ta peau, tu entres sous la peau, puis dans la chair un peu rosée, puis encore plus loin dans la chair rouge. Tu vois des veines, des tendons, le sang battre. Laisse ta vision profiter de ce voyage intérieur. Contemple, regarde
scrute. Passons à une autre vision. Celle-ci est le sommet du crâne. Là où tu es, ta vision te donne la possibilité de voir tes cheveux. Tu te rapproches et tu remarques que tes cheveux sont de plus en plus épais, comme si tu t'approchais d'une épaisse forêt. Tu descends encore dans ta chevelure pour enfin être sur la peau de ton crâne. Examine, regarde, remarque que ta vision est exceptionnelle. Entre maintenant dans le cuir chevelu. Tu peux y voir les bulbes de tes cheveux. Les racines qui serpentent dans le cuir chevelu. Va plus loin. Va plus profondément. Et tu vois l'os du crâne, tu l'examines. Tu peux ressentir sa chaleur, sa douceur. Tu vois sa couleur. Regarde. Examine. Cette première plongée t'a apporté la connaissance que tu pouvais avoir cette vision en dehors de tes yeux physiques, en dehors de ton corps physique. Ta respiration est calme et profonde. Calme et profonde. Tu peux voir maintenant une sorte de fluide qui flotte à 1 mètre de toi, à 1 mètre de ton visage. Un fluide de substance d'eau, d'air, d'énergie. La couleur translucide d'un bleu pâle, comme une grosse goutte d'eau, flottant devant toi. Cette énergie est en train de se transformer en rivière, suspendue dans les airs. La rivière d'énergie commence à couler à 1 mètre de toi vers le bas, vers tes pieds. Cette énergie bleue est en train de toucher la plante de tes pieds. Cette énergie est en train facilement d'entrer dans la plante de tes pieds. Tu peux ressentir l'énergie se propager et monter dans tes chevilles, les rendant comme cotonneux. Le fluide bleu, agréable, coule à l'intérieur de tes mollets. Ta peau, ta chair, tes muscles, tes os sont baignés dans cette énergie bleue. Les genoux et les cuisses, les fesses, les reins, le ventre, le dos, tout est baigné de cette énergie bleue, ce liquide bleu. À chaque respiration, tu y donnes accès à tout ton corps, à toutes les parties de ton corps. La poitrine, les épaules, les bras, jusqu'au bout de tes doigts et ta gorge, ton menton, tes joues, tes tempes,
ton nez, tes yeux, jusqu'au front, puis jusqu'au sommet de ton crâne. Tout ton corps est baigné dans cette énergie bleue. Comme une rivière fine, cette eau bleue, cet air bleu, cette énergie bleue sort par ton crâne comme un fin ruisseau. L'énergie sort et en sortant, reprend la direction de la plante des pieds pour continuer ce cercle, ce chemin entre l'espace et ton corps. Vois que l'énergie a pris une vitesse supérieure. Il entre plus vite dans tes pieds, chevilles, mollets, cuisses, fesses, reins, ventre, dos, poitrine, épaules, bras, mains, doigts, cou, joues, nez, dents, les yeux, le front, sommet du crâne et ressort et reprend encore un peu plus de vitesse pour entrer de nouveau dans tes pieds. Mollets, reins, poitrine, doigts, gorge, tempe, le sommet de ton crâne, et ressort et reprend encore et encore plus de vitesse dans tes pieds, ventre, front, sommet du crâne et encore pieds, crâne, ressort et entre encore dans tes pieds et ressort comme un cercle. Pied, crâne, pied, crâne, pied, crâne. Ressort et entre par les pieds, ressort par le crâne. Laisse faire l'énergie, laisse faire ce tourbillon, laisse faire ce cercle, cette énergie qui coule de tes pieds à ta tête. De tes pieds à ta tête, 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 de tes pieds à ta tête. Laisse-toi aller dans ce tourbillon bleu. Laisse-toi faire dans cette détente d'énergie. Cette deuxième plongée te donne à lâcher prise, sans contrainte. À lâcher prise acceptée. Elle te donne accès à être conscient que ton esprit peut voguer et ressentir et voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Tu es maintenant quelque part. Tu es allongé dans l'herbe fraîche. Sens sur ton dos la fraîcheur de l'herbe. Tu peux même sentir entre tes doigts l'herbe de la prairie. Tu es allongé dans l'herbe et tu vois sur ta gauche et sur ta droite des arbres. Les feuilles des arbres jouent avec le vent. Tu l'entends. C'est agréable. Profite du vent sur ta joue. Profite du son des feuillages. Tu décides maintenant de te mettre en position assise et devant toi tu vois la prairie. Dans sa longueur et à l'horizon le ciel bleu, le ciel un peu comme la couleur de l'énergie bleue de tout à l'heure. Tu as l'envie d'aller vers ce bleu, ce ciel, cette énergie. Tu décides de te mettre debout et
Tu peux sentir sous ta plante des pieds l'herbe fraîche un peu mouillée par la rosée. Tu commences ton premier pas. Il est hésitant, mais le pas se fait. Puis le deuxième. Un pas plus sûr, plus rassuré. Tu entends toujours les feuilles des arbres dans le vent. Tu vois toujours l'horizon devant toi et le ciel qui t'invite. Tes premiers pas finissent par devenir une marche, puis de la marche, une marche plus rapide. Tu es presque en train de courir dans l'herbe de la prairie. Le bord de la prairie s'approche de plus en plus. Instinctivement, tu déploies tes bras comme un oiseau qui déploierait ses ailes. Tu sais que tu as possibilité de voler. Tes bras bien écartés, tu sais que tu vas pouvoir simplement décoller pour ensuite voler. Tu es en train de courir vers le ciel, vers la fin de la prairie. Tu n'as pas peur du précipice qui arrive car tu sais voler. Tu le sais. Tu y es presque. Tu cours. Tu cours encore. Dans 50 mètres, tu commenceras à voler. Dans 40 mètres, tu commenceras à voler. Dans 30 mètres. 20. 10, 5, tu cours le plus rapidement possible avec tes bras écartés, tel un oiseau. 4, 3, 2, tu vas t'élancer comme un oiseau dans le ciel bleu d'énergie. 1, tu voles, tu voles. Vois comme c'est facile. Vois l'aisance et le bonheur de pouvoir voler dans ce ciel. Vois dans ce ciel bleu le soleil juste devant toi qui t'invite. Tu voles en prenant direction du soleil. Tu veux sentir sa chaleur de plus près. Vois comme le soleil grossit et grossit encore, car tu t'en approches encore et encore. La chaleur est sur ta peau, sur ton front. La chaleur devient forte encore et encore plus forte. Toute cette chaleur baigne ton esprit. Tu voles de moins en moins vite pour prendre finalement une position arrêtée. Tu flottes dans l'air en regardant le soleil si gros devant toi. Tu profites de sa chaleur, de sa lumière. Tu le contemples, toi, devant le soleil. Tu regardes maintenant en bas. Tout en bas, tout en bas, tu vois l'océan. Vois l'océan bleu comme l'énergie bleue de tout à l'heure. Une même énergie, une même agréable sensation, une même envie de le rejoindre, une même liberté. Tu décides de piquer comme un aigle, à la vitesse d'un aigle, vers cet océan. Cette fraîcheur d'eau. Après la chaleur du soleil, tu as besoin de ressentir la fraîcheur de cette immensité d'eau.
tu voles si vite, tu piques vers le bas, si vite que tu y es presque, tu es à 50 mètres, 40, 30, 20, 10, 5 mètres, 4, 3, 2, 1, ça y est, ta tête la première plonge dans l'eau, ton cou ressent les frissons par la fraîcheur ressentie, tes épaules, ton ventre, tes jambes jusqu'à tes pieds. Tu es en train de voir que dans l'eau, alors que tu piques vers le fond de l'océan, que tu arrives à respirer normalement comme un poisson. Ressens cette facilité. Ressens cette fraîcheur sur tout ton corps. Elle t'apaise et te donne une envie de liberté, une envie de découvrir. Une envie de voir plus loin, encore plus loin. Tu ressens la fraîcheur devenir presque froide, tellement tu t'enfonces vers le fond de l'océan. La lumière est moins forte, mais suffisamment pour voir les choses qui t'entourent. Vois le fond de l'océan, vois son sol. Tu es presque arrivé tout au fond. Tu es à 10 mètres du sol de l'océan, du fond de l'océan. 5 mètres, 4, 3, 2, 1. Tu peux poser tes pieds sur le sol du fond de l'océan. Regarde sur ta droite. Que de l'eau. Sur ta gauche. Rien que de l'eau. Devant toi, il y a deux cavernes. Les entrées sont sombres. On n'y voit rien, mais en s'approchant, on peut y voir des mots. Les mots disent: en entrant complètement, ton esprit verra aussi clair qu'un jour sans nuage. Devant toi, deux cavernes. Une qui invite à venir voir un univers où seul le souhait de ceux qui y vivent existe. Tu ne pourras pas choisir ce que tu verras. Seuls les êtres qui y vivent te montreront ce qu'ils voudront. La deuxième caverne, quant à elle, t'invite à venir voir ce que tu souhaites. Tu fais un premier pas vers ces deux entrées, puis un second, puis un troisième. Tu as fait ton choix, un choix important. Ton choix est celui que tu devais prendre. Ne reviens pas sur ton choix. Il est le bon. Tu es à 5 mètres de l'entrée de ton choix. 4 mètres. Ton esprit plein d'énergie et d'envie de voir et d'entendre a hâte de franchir l'entrée. 3 mètres. 2 mètres. 1 mètre. Ton esprit passe dans l'entrée
de la caverne. Ton esprit au complet a passé la porte, a passé l'entrée. Si tu te retournes, tu vois que l'espace a changé, que l'espace tout autour de toi n'est plus fait d'eau et d'océan, mais un décor spécialement fait pour toi, spécialement fait pour la rencontre. Ta vision spéciale, extraordinaire, te donne à voir ce qui se montre et ce qui se cache. Ton esprit spécialement ouvert en énergie te donne la possibilité d'entendre, de comprendre tout. Tu peux voir, entendre, sentir, toucher, être touché, être entendu, être vu. Et maintenant, la rencontre, ta rencontre, peut se faire dans les secondes qui vont suivre. Maintenant. Maintenant. Regarde, entends, vois, touche, écoute, vois.
maintenant. Il faut repartir. Tu te retournes et tu vois la sortie. Tu marches vers elle. Ton esprit tout entier sors de la caverne, tu réintègres l'océan, tu ressens de nouveau cette fraîcheur et tu vois devant toi un banc de poissons d'argent. Les poissons d'argent jouent avec la lumière du soleil. Les poissons te montrent qu'il faut les suivre, tu acceptes de les suivre. Tu te mêles à eux et vous commencez à nager tous ensemble, vers le haut, vers la surface. Vous nagez avec la fraîcheur sur la peau. Tu es presque arrivé à la surface de l'eau. Et ta tête, la première, sort de l'eau pour filer dans la direction de l'air, du ciel, du soleil. Tu veux de nouveau le soleil pour réchauffer ton corps transi de froid. Tu sens ta peau glacée, mais au fur et à mesure que tu voles, que tu t'approches du soleil, tu ressens la chaleur t'envahir. Tu es haut dans le ciel, très haut. Tu t'arrêtes en flottant dans le ciel, proche du soleil qui te réchauffe. Et tu vois au loin la prairie de tout à l'heure et tu décides d'en prendre le chemin. Tu voles comme un oiseau vers la prairie. Tu y es presque. Ça y est. Tu poses un pied sur l'herbe fraîche, puis le deuxième et tu marches pour atteindre l'endroit de tout à l'heure où tu étais allongé. Entends les feuilles des arbres dans le vent, la fraîcheur de l'herbe sous tes pieds. Assis-toi. Assis-toi là où tu étais. Allonge-toi maintenant. Prends conscience de ta respiration. Tu inspires et tu expires. Tu reprends possession de ton corps doucement. Bouge tes orteils, tes doigts. Tends un peu tes muscles abdominaux. Tends un peu les muscles de tes cuisses. Ta respiration est calme. Tu peux ouvrir les yeux. Maintenant.